Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce vendredi 27 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous terminons cette semaine avec l'identification avec vos blessures. Pour certaines personnes, cela fait tellement longtemps qu'elles souffrent qu'elles croient être leur souffrance. Pour d'autres, eh bien pour d'autres, certaines parties de cette souffrance sont devenues leur personnalité. La plupart des êtres humains se confondent avec elles. Beaucoup disent « je suis comme ça ». La vie est comme ça, c'est vraiment ça, se résilier. Sachez que vous n'êtes pas vos blessures, ni vos auto-sabotages ou vos peurs. Bien sûr, certains d'entre vous, vous avez souffert, mais vous avez besoin d'honorer ce petit enfant qui a souffert en vous. Mais ce que vous avez vécu ne vous définit en aucun cas, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas rejeté, dépendant, fuyant, contrôleur, humilié. Vous êtes un être merveilleux, en train de faire ses expériences et bien d'autres choses. Parce que nous sommes venus ici sur Terre pour expérimenter, puisque nous ne sommes pas dans la connaissance. Sauf que, à cause de cette relation étroite avec vos blessures, vous pouvez vous percevoir comme vous n'êtes pas. Et peut-être le faire aussi avec les autres ou avec la vie. Eh bien, cette carte vous invite, elle vous invite vraiment à accueillir votre mal-être. Dans le cas des sentiments difficiles, comme le rejet, l'abandon, eh bien, on demeure trop souvent soumis à l'émotion ou à une autre personne, par exemple. Il importe de devenir observateur de ce qui est et à agir, eh bien, tout simplement comme un acteur du changement. Elle vous invite aussi, cette carte, à oser faire de nouvelles choses qui optimisent votre confiance et votre estime personnelle et vous éloignent davantage des situations qui suscitaient ces états limitatifs. Les émotions non traversées en relation à vos blessures, vous maintiennent comme dans une cage, inutilement, et vous pouvez croire que vous n'avez pas les ailes nécessaires pour vous envoler, alors que vous les avez. Pour vous séparer de vos blessures et des douloureux personnages qu'elles créent en vous, eh bien, faites-vous accompagner pour déployer vos ailes. Il suffit juste de déployer nos ailes. Imaginez-vous que vous êtes ce petit oiseau qui est dans cette cage et qu'il ne demande qu'une chose. Voler.
Dites-vous que l'heure de la libération a sonné. Et cette carte vient vous le rappeler. Sortez de cette cage. Pour aujourd'hui, je ne suis pas mes souffrances. Non, je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux. Et tout naturellement de déployer mes ailes au grand jour. Nous terminons cette semaine avec un magnifique message. Nous ne sommes pas nos blessures, n'est-ce pas? Travaillons là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, un très très beau week-end. Et bien dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans l'empathie, dans la tolérance. On se retrouve, et bien, la semaine prochaine pour d'autres messages. D'ici là, eh bien, prenez bien, bien soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse. À tout bientôt.